Alors, les documents avec lesquels on doit travailler lorsqu'on prend une direction de programme sont les différentes sections du manuel de gestion de l'UQAC, ainsi que les descriptions de programme que l'on retrouve sur le site Web, mais aussi, dans certains cas, dans des documents spéciaux que les différents modules ont créés pour justement gérer le cheminement des étudiants. Un nouveau directeur de module doit prendre connaissance des différentes ententes qui existent avec les institutions collégiales. Nous, en génie, nous avons des cheminements DECBAC intégrés avec nos programmes, nos différents programmes. Et on doit donc bien connaître comment toute la mécanique de comment le programme s'articule et aussi garder un contact étroit avec les cégeps, qui sont évidemment impliqués dans le choix des étudiants, qui sont impliqués également dans le suivi de ces étudiants lorsqu'ils font justement la transition entre l'université, le cégep et l'université.